Rémi Cavagna qui va être battu, il le sait, il l'a compris. Mikkel Bjerg qui relance dans les tout derniers mètres. Alors on avait dit 30 secondes d'avance, ben on sera pas loin. Mikkel Bjerg à l'arrivée qui coupe la ligne avec 27 secondes d'avance et 49,8 km/h de moyenne pour Mikkel Bjerg. Première place au classement provisoire donc pour le coureur danois qui place la barre très haute là quand même. Allez, on salue l'arrivée de Christophe Laporte, le dernier concurrent sur la route entre Courlaville et Belmont de la Loire. Christophe Laporte, vainqueur de deux étapes, 50% des étapes ont été gagnées par Christophe Laporte depuis le départ. Et c'est pas fini, demain il y a une belle arrivée à Saint-Lalébin avec un beau petit tremplin dans le final. Oui, une belle étape pour les baroudeurs aussi. Oui,